des ordres eux-mêmes par la solidarité qui lui dit et auquel on renvoie dans cette rubrique. Le dernier numéro, celui d'octobre 2017, ici, nous avions reproduit en partie, bien sûr, le rapport le rapport annuel du Barreau du Cameroun sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. On est au cœur du sujet, la promotion, la défense des droits de l'homme en espèce dans le pays de Jackson. Enfin, cinquième rubrique, l'organisation des barreaux. L'organisation des barreaux, ça peut être une nouvelle école, un nouveau centre de formation, ça peut être un regroupement de barreaux ou la création même d'un nouveau barreau à tel ou tel endroit. Dans le dernier numéro, nous faisions la promotion, nous mettions devant l'idée de créer une charte. On a déjà les statuts de la CIB, mais pourquoi pas aussi rédiger une charte commune à tous nos barreaux, voilà, qui concourrait certainement aussi à une meilleure organisation, une meilleure solidarité entre nous tous. Du côté de sixième rubrique, du côté de, c'est pour donner la parole à une organisation ou à une institution dont nous sommes proches. On l'a fait pour l'UIA, on l'a fait pour la conférence des barreaux de Ouada, ça vient avec lui de faire un article sur le sujet. On l'a fait pour le Conseil national des barreaux et on va le faire prochainement pour l'OIF, pardon, Jean-Michel, vous en avez touché un mot, et aussi certainement pour le CIPAC.